Coucou les petits loulous! Aujourd'hui, Émilie Lee, petit loup part en vacances. Petit loup part en vacances. Demain, petit loup part en vacances. Après le gros dodo, il va falloir se lever tôt, explique papa. Grimper dans la voiture et en avant l'aventure. Et si tu préparais ta valise? Dit maman. Youpi! Crie petit loup. Là où nous allons, dit maman, il y a la mer et la montagne. Que vas-tu mettre dans ta valise? Petit loup réfléchit. Pas mon doudou! Dans la valise, il sera coincé. Il n'aimera pas. Doudou, je le garde avec moi. Dans sa valise, petit loup met ses nouvelles chaussures de marche. Je vais grimper et escalader la montagne, dit petit loup. N'oublie pas ta casquette et tes lunettes, sinon, gare au coup de soleil sur la tête. Dans sa valise, petit loup met son maillot de bain et ses flotteurs. À la plage, je vais me peigner, faire le dauphin et vous éclabousser. Prends garde à toi, dit papa, car moi, je ferai très bien le requin. Dans sa valise, petit loup met ses petites voitures, son ballon et son jeu de cartes favori. Bonne idée, dit maman. En vacances, on joue beaucoup et on se fait de nouveaux amis. Ne t'inquiète pas, je jouerai aussi avec vous, dit petit loup. Dans sa valise, petit loup met son déguisement préféré. Je serai un super héros, je vous protégerai, dit petit loup. Tu ne prends pas de shorts, de culottes, de chaussettes, de pantalons? S'étonne papa. Non, pas besoin. Dans sa valise, petit loup met son gros livre d'histoire. J'aime bien lire avant de dormir, explique petit loup. Tu pourras aussi regarder ton livre dans la journée, dit maman. En vacances, on prend son temps, on fait ce qui nous plaît. Voilà, ma valise est terminée, dit petit loup. Est-ce que je peux aller goûter? Es-tu certain de n'avoir rien oublié? Demande maman. Petit loup réfléchit. Puis, il va chercher sa trottinette. Mais elle ne rentre pas dans la valise. Ne t'inquiète pas, on la glissera dans le coffre, le rassure papa. Ouf, fait petit loup, parce que moi, je patine partout. Petit loup est affamé, il dévore son goûter. Quand il a terminé, il se lève et dit « Bonne nuit, maman! Bonne nuit, papa !»« Mais ce n'est pas l'heure de se coucher !» s'exclame maman. « Je vais être en forme pour les vacances. Comme on part après le dodo, ce soir, il faut se coucher tôt !» Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi !